Quoi, 3 jours à le construire lui? 3 jours, ouais. 3 jours. Et bah t'as mis pareil à. Non! Celui-là tu l'avais construit en une journée, je m'en souviens. Celui-là, ouais. Salut à tous les amis, aujourd'hui on va faire un petit test. Il est énorme. On va faire décoller Tortank. Donc ça c'est un drone Cinelifter. On a mis une Black Magic dessus. Voilà, vous pouvez voir. Pourquoi on tue a mis une Black Magic? Bah tu m'as aidé un petit peu, non? Non, j'ai pas fait grand chose. Bon, t'as pas fait grand chose. Du coup on va faire décoller ça et on va voir les images, on va voir ce que ça donne. Voilà, c'est un premier test. Voilà, allez. Moi ce que j'adore c'est le H. Ouais, mais il est petit pour ce drone là. Oh, il est énorme, énorme, énorme. Allez. Allez, pousse-toi. Un bruit bizarre, hein? Non. Ça, il est énorme, mais sérieux. T'as abusé, un drone aussi gros. Alors, ton test, il se passe bien? Ça va, pour l'instant, ça va. T'es content? Ouais, nickel. Franchement, ça s'est bien passé. J'ai hâte de voir ce que ça donne. Là, t'es serein hein, pour le là, pilote. Là, hein. Tu peux t'approcher un peu plus de lui hein, pour le décollage. Ouais, j'avoue. Putain, dire qu'avant j'avais peur de ce machin-là, il est tout rikiki. Ça filme pas. Hein. Non. Ok, on a oublié de filmer. Là, allez, c'est reparti. Ah, tu t'amuses bien avec lui, hein. Bon, faut savoir que c'est lui qui les a construits tous les deux. Il est trop fort. C'est fou comment t'as progressé quand même. Hein. Avant, impossible, tu passais entre les arbres. Il est trop rapide pour moi. Dans le mille. Alors, ça doit être satisfaisant d'avoir construit ces deux drones. Hein. Satisfaisant, par contre, tu vois, quand tu commences à piloter ce genre de truc, il est énorme. Il y a de l'inertie, il est lourd. Tu sens que t'es pas hyper à l'aise, tu vois. Après, quand tu reviens, tu pilotes ça. C'est du pipi de chat. C'est du pipi de chat, c'est super simple. Donc, j'espère que cette vidéo vous aura plu. Là, c'était un premier test du Cinelifter. Et là, j'ai réglé à peu près les PID. Donc là, il est correctement réglé, je pense. Maintenant, il va falloir ajouter le filtre ND, il va falloir rajouter tous les paramètres là pour avoir une qualité d'image au top. Et ensuite, je vais vous faire des images mortelles. Et du coup, je vous garantis des vidéos top, topissime. C'est bon?